Mercredi 13 mars 2024, madame, monsieur, go bonjour, go bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans un journal spécial, c'est là, sous Média Haïtien, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant le pays d'Haïti, département d'État américain compte participation Guy Philippe dans un conseil présidentiel pour ta remplacer premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti pendant et vraiment gagner leader parti Petit Dessalines qui lui-même t'est déjà prend position pour mettre Guy Philippe dans tête un conseil présidentiel cap gagner pour remplacer Ariel Henry dans pays d'Haïti pendant t'est déjà gagné 125 organisations politiques qui t'est déjà signé proposition ça et bien gagné un département d'État américain qui dit li pas éligible n'a parlé des anciens sénateurs grand ancien vraiment qui pas rempli conditions imposées par CARICOM pour ta participer dans le conseil présidentiel, si là, c'est ça, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui-même, lui fait connaître. Toutefois, il a supporté décision CARICOM prend dans 48 heures pour acteurs politiques haïtiens. Ta voyé non, moun qui t'a dû faire partie conseil présidentiel. Sept membres, si là, mesdames et messieurs, n'a pas rappelé au conseil ça, cap gagné sept membres, c'est décision CARICOM te prend après analyse plusieurs propositions qui t'est faites pour te gagner une alternative pour te remplacer premier ministre Ariel Henry qui nan moment n'a parlé a démissionné pendant yo continuer à liquider affaires courantes dans pays d'Haïti mais n'a rappelé premier ministre Ariel Henry qui toujours d'ailleurs pays a toutefois il continuer à diriger pays a vraiment yo fait connait il a bien pour quitter pouvoir nan moment yon conseil présidentiel installé dans tête pays a gouvernement la dirigé a n'a parlé de premier ministre Ariel Henry a gagné pour ou était col l'autre bord plusieurs eh bien organisations ou encore partis politiques décidé pour pas voyer non monde aller dans conseil présidentiel cap gagné pour remplacer premier ministre Ariel Henry après décision qui te prend à CARICOM dans tête collé ak acteur politique yo pour te remplacer premier ministre Ariel Henry qui démissionnait James Odia yon conseil et présidentiel sept membres te doué remplacer Ariel Henry et bien divers partis politiques parmi eux Petit Dessalines pas décidé voyer moun nan conseil si là avec réveil national qui gagne en tête li Guy Philippe et bien mesdames et messieurs yo pas décidé voyer moun nan conseil si là parce que yo kwè journée jodia c'est haïtien qui pou prend responsabilité yo pendant Moïse Jean-Charles avancé li fait connait ouais pas ouais l'a installé conseil ça et tout l'autre conseil cap vini c'est aspiration blanc lié yo même yo pas là dedans yo prend toute disposition pour yo capable corriger décision ça yo té déjà prend côté gagne plus passé 3000 organisations sociales qui signé proposition ça avec environ 250 organisations politiques qui déjà embarqué pour yo installer Guy Philippe magistrat Durin Junior avec François Saint-Villiers leader parti politique Dessalines avancé pour demander l'autre acteur yo rive joigni parce que jodi a solution crise là c'est haïtien qui pour vraiment vini avec lui blanc pa jam vin proposer nous yon bon solution pendant CARICOM lui-même li continue à attendre acteur politique yo pour faire choix pour voyer non nan et conseil présidentiel là et bien divers partis politiques si pour Petit Dessalines ak Réveil National voyer jeter proposition CARICOM nan divers partis politiques déjà prend engagement pour eux-mêmes yo choisi entre eux-mêmes non cap gagner pour participer dans conseil présidentiel là gagne à Comontana qui choisi déjà Fritz Jean selon information qui rive joindre nous gagne tout et bien parti aidé avec Red qui choisi madame Marie Justine mon premier pour représenter et bien et compromis politique ça mais compromis historique là pardon et bien qui gagne là-dedans aider Red et qui pour aller dans conseil présidentiel si là gagne Leslie Voltaire architecte qui t'a dû remplacer Andy représenter alors parti et politique famille Lavalas dans conseil présidentiel si là gagne Edgar Leblanc
Blanc Fils collectif 30 janvier lui-même l'état doué représenté mais pour accord eh bien 21 décembre c'est à doué Vickerson gagné qui lui-même t'a doué à le remplacer à le représenter alors et accord 21 décembre qui était signé à ça alors qui était signé avec premier ministre Ariel Henry en pile acteur politique quoi journée jodia li pas possible parce que accord 21 décembre nan, c'est une colonne monde proche Ariel pendant yo t'a couru derrière premier ministre Ariel Henry pour kounya Ariel Henry gen représentant nan yon conseil présidentiel que mesdames et messieurs qui pral remplacer lui-même encore nan international là électeur a préparé pour l'autre face à face nan cause élection entre Joe Biden et ancien locataire Maison Blanche nan Donald Trump n'a invité ou rete sous VOA Creole ou pral jwenn plus détails. Mesdames, messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer et focus nous. Attention, nous, plutôt, c'est sous pays d'Haïti avec tout développement qu'a gagné. Et nous connaissons depuis démission Premier ministre Ariel Henry, depuis annonce. Et bien, il y a un nouveau développement qui a fait et qui a sorti à travers le monde concernant pays d'Haïti et surtout dans Washington qui est très présent dans le dernier développement concernant pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Sandra Le Maire qui est même mise à jour pour nous par rapport à la position Washington sous sa capacité dans pays d'Haïti. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Et femme dit à téléspectateurs, auditeurs, que la Voix de l'Amérique gagne un reporter qui a voyagé ensemble avec le président Biden, qui allait dans l'État Wisconsin aujourd'hui. Hein. Donc, dans l'avion, hein, et il a posé questions. Et donc, nous posons questions sur Haïti aujourd'hui, hein, dans l'avion président Biden. Hein. Et Messa et Karine Jean-Pierre Dino. Donc, je vais demander à la Maison Blanche opinion administration Biden nan, sous période de temps 48 heures que accord CARICOM nan bay pour conseil transition présidentielle pour Haïti a en place. Porte-parole Karine Jean-Pierre répond. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti a géré GFOYO à date pour conseil là nommé. Nous pourrons quitter peuple haïtien géré GFOYO à date pour conseil là nommé. Il réitérait que États-Unis quoi, c'est haïtien qui doit choisir le deuil et puis déterminer l'avenir. Karine Jean-Pierre dit nous très clair sur ça. Nous prenons engagement pour appuyer haïtien avec GFOYO haïtien à faire pour créer conseil présidentiel transition. Pour rétablir sécurité et puis parer chemin hein, pour élection libre et honnête, qui c'est un bagage nous quoi qui est très important. Par rapport avec si États-Unis va reconnaître Guy Philippe s'il est élu président d'Haïti, Jean-Pierre Dinou gagne une déclaration CARICOM publiée qui détaillait qui est-ce qui est capable même conseiller ça. C'est tout ça m'a dit. De l'autre côté, nous gagnons un correspondant dans le département d'État et le secrétaire d'État fait connaître, le secrétaire d'État Anthony Blinken fait connaître que il était parlé avec le président Kenya matin. Donc, correspondant voix dans le département d'État, Nike Ching, fait connaître que le secrétaire d'État Anthony Blinken parlait avec le président Kenya William Ruto matin. Pour confirmer Kenya paraît pour diriger mission aussitôt que nouveau conseil transition va installer en Haïti. Blinken dit de quoi ça fera le fait, donc installation conseil là, dans quelques jours comme ça. Et puis après ça, il va nommer un premier ministre intérimé qui va permettre de déployer mission. Nous avons l'autre réaction sur ce qui a passé entre États-Unis avec Haïti, opinion, ambassade, les États-Unis pour commencer, mais ça nous joint. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti a annoncé sur compte Twitterly, qui donc réseau qui relait X Kounian, que un deuxième groupe marine arrivait à Haïti par voie aérienne pour bailler en pile support à l'équipe actuelle service sécurité diplomatique là, DSS, dans l'ambassade là. L'ambassade a précisé que mesure ça conforme avec pratiques et standards qui gagnent pour augmentation sécurité ambassade des États-Unis à travers le monde là. Les ajoutés, ambassade nous était concentrée sous poursuite GFOR diplomatique et humanitaire en Haïti.
Ici, de Washington même, porte-parole département d'État, Matthew Miller, dit États-Unis attendent à ce que même conseil transition en nos mains entre 24 à 48 heures. The under the terms of the agreement that was announced yesterday, we expect that the members of the transitional council will be appointed in the next 24 to 48 hours, and then they will take the step to appoint an interim prime minister in the near future after that. L'idée d'après a été annoncé lundi, nous attendons à ce que nous mettons membre conseil transition dans prochain 24 à 48 heures, et puis après ça, il va franchir prochaine étape là qui s'est nommé au premier ministre par intérim. Département d'État répond pour dire qu'il va simplement travailler sous nomination d'un premier ministre intérimé. Dans New York, l'ONU confirmé quelques employés qui pas essentiels pour commencer à quitter Haïti à partir mercredi à cause situation volatile là. Porte-parole Nations Unies en dit journaliste dans l'ONU que l'ONU pas quitter Haïti. Un collègue lui dit qu'a mené activité pour sauver la vie moun qui pourrait rester en Haïti et puis continuer opération yo. Il ajouté que l'ONU continuait à veiller situation Haïti à de près. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis par rapport à que merci Sandra, par rapport à que conseil présidentiel de transition, et ben gain leader Petite Dessaline, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui rencontré avec la presse Jodia et qui fait qu'on est que lui-même avec bloc que fait alliance avec là qui gain la donne Guy Philippe avec Jean-Tel Joseph et plusieurs autres partis politiques qui ont dit que yo même yo rejeté décision qui sorti dans Kingston Jamaïque, donc décision CARICOM en parlant de et transition que vous voulez faire en parlant de conseil présidentiel de transition. Il dit comme ça que après déclaration que le fait, après rencontre avec la presse, il demande mobilisation, tant qu'on répète, le barré en haut, barré en bas, pendant que le fait qu'on est que gagné, il y a même dans le niveau pas, il y a gagné, il y a l'autre conseil qui gagne trois membres là-dedans sans qu'il ne puisse vraiment citer nos mondes. Pendant ce temps, donc, comme ça, pour gagner pile point d'interrogation qu'a posé sous formation conseil présidentiel de transition qui pratiquement en difficulté, en impasse jusqu'à présent, surtout avec position, non seulement position et Moïse Jean-Charles avec l'autre encore, mais désignant qui gagne dans mi-temps plusieurs l'autre partie. Nous pourrons rejoindre correspondant nous, Yves Manuel. Diverses organisations politiques axilaient dans la société civile dans le pays d'Haïti, engagées dans la négociation pour choisir 7 membres du conseil présidentiel de transition. Il y a un certain parti qui peut révéler les représentants, tandis que il y a l'autre qui prend gros décision. Accord Montana choisit Fritz Alphonse Jean comme représentant, bien que il y a une réserve sous processus sélection CARICOM. Accord 21 décembre proposé Vickerson gagner, mais il y a une pile tension en dans structure ça qui est capable d'entraver décision. Collectif parti politique 30 janvier en discussion pour sélectionner représentant yo, mais yo pas confine en temps yo sur choix. Regroupement aidé RED à compromis historique choisi Marie-Ghislaine Montpremier pour représenter yo dans conseil présidentiel là. Famille Lavalas a discuté mais yo poko grand public non yo. Petite Dessaline bon côté pâle voyez j'étais bien loin proposition CARICOM nan. Yo même c'est dans conseil 3 membres yo été proposé récemment yo pralé. Alors que secteur privé affaire bon côté pâle poko clair si la voyez moun ou pas. CCIH la souligné l'important pour implication secteur privé dans démarche pour restaurer stabilité économique et sociale dans le pays d'Haïti. Groupe Société Civile désigné Pierre-Jean Raymond André comme membre observateur dans le conseil présidentiel. Pourquoi il est là? Rien pour qu'on fasse clair quant à mise en place conseil présidentiel. Certains partis voyaient même au 7, mais il y a un pile l'autre qui est en discussion et Petite Dessaline, même Jean à Guy Philippe, qui voyait jeter bien loin proposition ça. Est-ce que mise en place conseil présidentiel, 7 membres là, nan impasse? Yon question nous pouvons répondre. N'a pas rappelé, journée mercredi, c'est date limite pour parti concerné yo, soumettre à département d'État et puis CARICOM, non personnalité qui pral fait partie du conseil présidentiel ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Pendant que y a tant non parti politique yo, un ben gen département d'état qui fait connait que
Guy Philippe lui-même n'est pas qualifié pour faire partie du conseil présidentiel de transition. Et c'est comme ça tout que les partisans Guy Philippe qui prend la rue dans Jérémy, dans le département et Grand-Anse. Nous sommes sur place, Mackinson Charles. Patisan, ancien sénateur Eli Grandestan Guy Philippe, manifesté journée mercredi 13 mars 2024 là dans ville Jérémy pour capable dire non à proposition CARICOM fait pour gagner un conseil présidentiel 7 membres à divers secteurs dans le pays d'Haïti pour remplacer Premier ministre Ariel Henry qui lui-même fait annonce démission pour quitter pouvoir après installation conseil présidentiel. Il est pour nous prendre des en main en tant que peuple. C'est pas Haïti qui m'a dit Guy Philippe, nous voulons. Nous pas CARICOM. Quittez nous prendre destin nous en main pour nous gérer le pays. Nous. Il n'y a pas qu'à il prend Ariel, Ariel était là déjà. Il retire Ariel pour aller pour un sous-soul, Julie, pour le connaître qui vient diriger le pays. Cette fois-ci, nous prenons destin en main. Nous ne pouvons pas y aller, nous ne pouvons pas aller. Guy Philippe Vinal, il a implanté le mouvement révolution, le mouvement prend, il porte fui. Je dis à Folk à manger. Folk à manger une banane mille ans parce qu'elle travaille pour lui. Moi, je ne parle pas l'anglais. Si je parle l'anglais, en anglais, je ne parle pas la CARICOM là pour me faire comprendre quelques bagailles. Non, CARICOM, et ça me dit seulement en anglais. Pour Dr. Swamil Laureus, qui est responsable causé Grandance, il y a stricte politique en dedans département Grandance, il y a un conseil présidentiel avec trois membres. Côté Cap Guéna Tetli, ancien sénateur de Grandance, Guy Philippe. Nous pas dans la question CARICOM a décidé pour nous. Nous, c'est Haïtiens, nous avons décidé pour tête nous. Et nous sortons un document. Côté nous mentionner qui ça nous voulait, qui ça peut pas ici en voulait. Peut pas ici en besoin un conseil présidentiel qui est trois mouns. La donne pour gagner Guy Philippe qui préside conseil là, pour gagner Madame Docteur Françoise et puis avec juge coup d'appel là. Je ne j'ai dit nous-mêmes, nous pas gagner ou pas boire, c'est voir peut pas ici pour passer. CARICOM pas capable décider pour nous, c'est nous pour décider pour tête nous. Pendant l'abdou, d'après le département d'État américain, ancien sénateur Eli Grandestan pas répondre critères pour faire partie conseil présidentiel transition. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VO. Merci Mackinson. Nous prenons rejoindre Konya, envoyé spécial nous et Valérie Saint-Louis qui était dans Kingston, Jamaïque pour go réunion CARICOM d'affaires et Konya l'y trouve dans Porto Rico. Porto Rico qui c'est un point central parce que c'est là que Premier ministre Ariel Henry t'a le réfugié après que avion privé que était là dedans et ben il n'y pas de joindre autorisation pour le atterri dans la République dominicaine. Donc Valerio Saint-Louis, son globe-trotter, dit en anglais. Valerio, qui sont ouais, qui sont attendés ou dans San Juan, Porto Rico? C'est ça, Jacques-Claire. Nous dans San Juan, Porto Rico, et nous dans un quartier très historique, très commercial, San Juan, Porto Rico, qui est le Old San Juan. Alors, après que Ariel Henry a fait apparition dans la vidéo, pour décolleté adressé la nation, il a dit que la paix démission. Eh bien, officiellement, jusqu'à présent, personne ne connaît qui côté vraiment que Ariel Henry. Il y a des gens qui toujours fait connaître, toujours croient que l'île de Porto Rico, l'île de ville San Juan. C'est pour ça que VOA Creole débarqué dans San Juan de Porto Rico une deuxième fois. Et n'a pas cherché, et n'a pas parlé avec des sources qui ont même peut-être officielles et officieuses, qui sont capables de dire nous qui côté Ariel Henry. Mais en attendant, dans le quartier côté nous, il y a là, Jacqueline, il y a une communauté haïtienne qui n'est pas en pile d'après ça, fait nous connaître dans Porto Rico. Mais dans le quartier, ça, quartier qui est très touristique. Qui est très historique, il y a Haïtien qui a des business. Et nous avons parlé ensemble avec eux, nous avons demandé tout, pendant que l'article là, il y a un peu de business, nous avons demandé est-ce que vous pouvez aller dans l'IE et qui genre de sentir par rapport à sa capacité en Haïti. En regardant ça, vous avez dit. Moi, je suis sorti à Safia, nous sommes ici là, dans Porto Rico depuis 1983. Nous, là, nous avons fonctionné normalement. Là, nous sommes capables de dénoncer une galerie internationale. Nous recevons des touristes qui sont tous côtés dans le monde entier. La communauté haïtienne, ici, là, dans Porto Rico, il parle en pays. Premier ministre Ariel Henry, il est là, dans San Juan, Porto Rico, est-ce qu'il est sous place? Ah, thème ça, je vais le toucher, parce que vraiment, oui, ça, c'est bagarre politique, je ne fais pas bagarre politique. Moi, c'est Andy Senatus Jean. Moi, je suis Porto Rico, mes parents sont haïtiens. Et moi, je suis à Haïti depuis que je fais jusqu'à 20 ans. Et puis après ça, moi, je suis venu ici. Donc, maman a un business souvenir avec
haïtien te kon achete depuis Haïti vin van. Chaque haïtien vin là, le ou koné son haïtien mye, oh my god. Situation ka passe Haïti, hein, c'est un bagay ki vraiment touchant. On pense de l'eau parap sot la jebwe, but nous souffri trop. Nous souffri trop, nous souffri en pile. Premier ministre là, m'tendel te ici, but m'pa kon au courant de rien de l'an qui côté le descend bah ça yo dans le tay ici bah quand s'il aller bah quand n'est rien but mais vraiment vrai nous méritons un changement même c'est Vlad Senatus moi j'ai plus que 22 ans peut-être bon ici hein et oui nous l'en business touriste là depuis plus de 19-20 ans. Sincèrement, pas grand pile haïtien Porto Rico cap vive. Mais comme cela l'on all San Juan nan jon ka apprécier, gen un pile store que c'est haïtien qui honneur, vous comprenez? Pour le ministre Ariel Henry, il est toujours là? Bon, sincèrement, moi pas ka di ou bon ici nouvelle yo pas sorti en grande quantité sous ça cap passé l'an aspect ça sous premier ministre qui vient bien boire ici. L'ambition ça tout. Le monde est venu, nous avons tout parlé à vol. Et quand on monde, ok, moi haïtien, premier ça, nous avons dit, I'm sorry. C'est bon. C'est un bail qui affecte chaque jour. C'est un bail qui obtient chaque jour. Ça, c'est tout haïtien qui lance en non. Tout ces business. On va tout faire bien business. Alors nous t'avons deux toi que t'as fait manifestation devant hôtel côté que premier ministre t'es descendu et ou même qui j'ont été réagi par rapport à ça. C'était normal bon, on pas faire aucune réaction comme si nous t'as regardé, nous t'es campé loin à regarder. Bon, est-ce au courant que premier ministre Ariel Henry toujours là dans San Juan? Non oui, je dis monsieur là, il là toujours, il est là. Et ça me tendait, je dis monsieur là toujours parce que t'es il est mais démission. Mon nom c'est Claudine Kouachi. Alors, moi ici, ça fait 22 ans. Alors, business là, parce que imaginez, nous soif, nous sommes capables de faire un type de business comme ça dans le pays, nous, mais nous n'avons pas d'opportunité, la situation n'a pas permis du tout. Je suis appelé à Kounia là, je regarde YouTube et la situation Haïti, je suis vraiment déprimé. Je me dis, bon Dieu, pas possible. Même moi, je n'aime pas manger matin. Wow. Présence c'est ancien premier ministre, hein, il était un petit peu incommode pour nous même haïtiens et ici à Porto Rico, il y a plein de monde qui t'a fait manifestation, c'est vrai, mais il y a plein d'autres qui t'a voulu aller à cause du travail nous pas aller. Alors vraiment vrai, c'est une situation qui est capable de qui un peu ennuyeux, non? Présent c'est premier ministre là. Alors et ça a un peu déceptionné nous des premiers ministres. Premier ministre, il est toujours là dans San Juan. Bon, et son bail moi m'ta aimer connait parce que tantôt il dit que il est là, tantôt il dit qu'il pas là, vraiment pas connait est-ce qu'il est toujours là. Voilà, bien que le premier ministre a fait une vidéo côté l'annoncer qu'il démissionner, mais en pile monde jusqu'à présent aimer connait est-ce que il est toujours dans San Juan Porto Rico et nous même tout la vie Wakiol, nous là, nous sur place. Dans la ville de San Juan Porto Rico et n'a cherché pour nous qui côté premier ministre Ariel Henry jusqu'à présent. Valérie, c'est lui depuis San Juan Porto Rico, Jacqueline. Merci Valério. Donc à demain et puis restez branchés sous VOA Creole pour capable gagner toute information que Valério lui-même l'a cherché pour nous tant qu'on lui dit il est dans San Juan Porto Rico. N'a quitté San Juan Porto Rico, nous pour aller dans Miami dans état Floride côté plusieurs citoyens haïtiens réagissent sous annonce démission premier ministre Ariel Henry Luxon Saint-Ville. Et ça qui a passé à Haïti a et l'idée passe grave parce que Godeline qui branche nouvelle chaque jour à peine saute fait maquette pour mettre la caille. Environ deux jours après, l'idée est toujours pas quoi. Dans annonce démission premier ministre Ariel Henry. Ariel dit l'a démissionné jusqu'à date. Nous pas connait qui décision qu'a prend vraiment. Il dit le démissionner mais m'pas fin sûr de démission parce que Haïti gon on bagarre la donne. Yo van Haïti sans que nous mêmes nous pas au courant. Jeune garçon ça qui saute chercher petite fille l'école dit pas étonné des annonces démission ça. Et ça fait longtemps pour elle de démissionner déjà. Citoyen ça qui dit indigné mandé communauté internationale là pour quitter haïtien décider sous propre avenir. Vous dit CARICOM international en général
faut yo ba Haiti une chance. Ça fait longtemps moun sa mete moun pou nou. Et yo met pays à côté li là. N'a di yo kite Haiti prend décision en main. Après démission Ariel Henry, Sefoni souhaite gen tête ensemble nan mitan tout secteur yo pour favoriser organisation bon jan élection. Yo ta doué ke fè évaluation sak pa fèt nan peyi a pou yo arrange yo pou yo met tèt ansanm pou yo chita ansanm pou kole zépòl avèk zépòl et puis tout pou yo wè si yo ta kap fè élection. Mais élection sans sécurité, élection pou ko ka fèt. Son nom Dieu d'Orville que nous croisé kap sot achete nan yon magasin réagit li même tout sous démission premier ministre là. Ariel li pa ta bwe gran yen. On est pas d'abri grand rien. Mon cher, pas de boule là. Longtemps, disons que mon cher grand monde, faut faire aller quoi bon l'autre pour un couteau. Mais nous t'arrêtons même, mon n'a pas un pouvoir. Les mêmes qui payent, on se lave avec tout le monde, juste pour tout le monde capable à l'aise. Mon sayo cap suivre actualité Haïti à chaque jour. Souhaiter ouais un gouvernement de transition, cap gué monde tout neuf la donne et qui prend la bordé. Il y a une série de problèmes importants. Nous t'as souhaité que yo mette toutes âmes à terre. Pour malheureux yo kap kite kayo pour tout malheureux yo retourner la kayo à sans qu'a sauté mais ancien ratio même l'autre ancien politique yo tout ancien nèg yo net nous a besoin yo qui ça nous besoin nous nouveau yo on l'autre nouveau et système éducatif là yo obligé parce que Haïti ti moun yo a vivion raté on l'école en semaine non année, on semaine, non mois, non, li pas possible. Même quoi, et bagay gang ça, fok li, on joue fok li fini. Nous voulons la paix Haïti. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci, Luxon Saint-Ville. Nous avons l'autre réaction encore dans le pays d'Haïti, mais nous ne parlons pas dans le pays d'Haïti encore. Nous parlons plutôt pour nous parler avec gentil Augustin Junior, qui lui-même a parlé de crise humanitaire côté Union européenne by Haïti 20 millions de dollars par rapport à crise humanitaire. Gentil Augustin Junior. So the European Commission has today. Union européenne a annoncé jeudi mercredi que li accorde yon aide humanitaire 20 millions d'euros à Haïti pour victimes violence gang ameyo et nan mitan yon crise politique après démission premier ministre liya. The European Commission has Commission européenne nan signé jeudi 20 millions d'euros aide humanitaire pour Haïti. Côté yon niveau violence gang sans pareil a augmenté plus besoin humanitaire à travers pays ya. Financement ça pral aider partenaires humanitaires yo répondre à besoin qui pi jeune en population nan niveau protection, aide manger, nutrition, d'eau, sanitation ak soin la santé. Porte-parole Union européenne nan té ajouté que yon parti nan aide ça ta doit permettre ti moun haïtien yo gen accès à éducation pendant que en pile l'école fermé à crise politique là dans pays a qui journée jodi a gagnon premier ministre démissionnaire Gypsy Metelus qui c'est directrice ONG dans sud Floride croit que décision premier ministre haïtien c'est une étape dans bon direction. Yes, the departure is a step in the right direction. Oui, départ c'est une étape dans bon direction parce que nous t'a demandé pour ça depuis 3 l'année mais kounye ya ke li aller personne pas ka faire moun ki mouri yo rejoindre la vie. Co-fondateur Sant là, t'es profité par les tout sous affaire gang yo qui gangrène pays d'Haïti. D'après texte AFP ya, gang yo prend contrôle toute section dans pays ya qui gagne 11.6 millions habitants. These gangs, this gang sa yo à cause façon yo té armé, accès yo té gagné pour joindre zam ak munition, pat agi pour compte yo. Li clair que yo té gagné supporté. Moi pensé c'est peut-être ça nan étape précis ça. Haïti pas capable faire face à situation pour compte li. Après annonce premier ministre lan di, l'a démissionné après yo fin installé yon collège présidentiel, cofondateur Sant la di, communauté haïtiano-américain yo gen j'ai braqué sous moun sa yo ki pral pran mayette la. The Haitian Americans in particular. Haïtien américain yo en particulier pral très veillatif ak sa ki pral passer nan gouvernement provisoire sa mam li yo condition participation yo ak plan yo genyen pour stabiliser situation elite continue pour ajouter tout and the future
Dans l'avenir, pas gen aucun représentant Nations Unies, aucun représentant secrétaire général Nations Unies, kap gen courage pour suggérer que gang yo ta doué ini. Dernier chef l'État, Jovenel Moïse, te assassiné dans l'année 2021. Pourtant, li pat jam rive fè élection depuis 2016 pour renouveler personnel politique li yo. Premier ministre Ariel Henry Jovenel Moïse te nommé, te doué kite fonction li nan commencement mois février ya. Mais c'est nan mois mars la li d'accord l'ap démissionné après installation yon collège présidentiel kap gen pou vinn menen bak peyi ya avant élection. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis actualité électorale là ici aux États-Unis, eh ben l'électorat américain apparaît pour un face à face l'autre fois encore entre Joe Biden et parti démocrate là et ancien président et républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe, c'est un rematch en anglais. Oui, j'en dis à Jacqueline, son image vraiment de l'élection qui est passée, l'élection 2020. En tout cas, ancien président Donald Trump avec le président sortant Joe Biden, et bien, M. Abgade Kounia, date 5 novembre 2024, côté Obral, tête droite de Kounia là pour y aller dans l'élection présidentielle générale. Après, il a apporté quantité de délégués nécessaires pour remporter nomination parti respectif, donc parti démocrate avec parti républicain. Président Joe Biden avec ancien président Donald Trump ont remporté nomination parti démocrate avec parti républicain après élection primaire caucus qui déroulé mardi 12 mars là dans plusieurs états. Victoire ça a lancé deuxième duel face à face une élection présidentielle américaine depuis 70 ans. Président Biden joint support 2107 délégués contrairement avec 1968 délégués qu'il était besoin pour remporter nomination parti démocrate là. Démocrates ont jeté bulletin dans Mississippi, Washington, Northern Mariana Island avec démocrates qui vivent à l'étranger. Juste après résultat, président Joe Biden publié une déclaration pour dire jeudi à électeurs gain pour faire un choix concernant avenir États-Unis. Est-ce que nous pral camper pour défendre démocratie ou bien quitter adversaire en face là craser en miettes mensonan mais nous. Nous pral rétablir droit pour nous choisir et puis protéger liberté nous ou bien est-ce que n'a quitter extrémisme ou retirer le nan mais nous. Ancien président Donald Trump a remporté nomination parti républicain après les ramasser 1241 délégués comparé à 1215 nécessaires pour le remporter nomination parti. L'élection a été déroulée dans l'État Georgie, Hawaï, Mississippi avec l'État Washington. Dans la déclaration, ancien président Donald Trump fait après résultat, il a commencé à publier, il dit c'est un gros honneur pour me joindre une nomination pour me présenter parti républicain dans l'élection novembre 2024. Parti noir uni et fort et nous comprenons tout bon nous pour faire face avec pi mauvais et incompétent président corrompu et destructif États-Unis Jean Cronin. Puis loin dans déclaration ancien président exprimé confiance l'a remporté élection 2024. Jeudi a escamoter le Joe Biden nan a dirigé pays à tant qu'un pays tiers monde cap servi avec système justice pays a pour lui persécuter adversaire politique li yo qui c'est moi-même. Mais nous pas paix, nous pas échoué, n'a pour reprendre contrôle pays ça qui était grand pour mettre en première et faire le plus grand encore. Deux candidats ont déjà dit attention dans l'élection générale 5 novembre côté ont commencé meeting de masse samedi passé et ben deux candidats ont été trouvés dans l'état Georgie côté ont mené campagne côté question immigration était dans centre rencontre avec supporters. Campagne président Biden a annoncé une phase agressive campagne là les présidents sortants commencé un viron dans l'état qui capable jouer un rôle important dans l'élection novembre 2024 là. Ancien président Donald Trump continue à rencontrer électeurs républicains malgré la faire face avec plusieurs poussées. Ceci n'a mettait pas ses gains dans bien immobilier li possédé, bayon actrice prostituée l'argent pour fermer une bouche li avant l'élection 2016 yo, semblier Jeffo pour te encourager supporter yo, si met la troublaille pour éviter Congrès à ratifier victoire Joe Biden dans l'élection générale 2020 yo. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous avons salué un gros ami VOA Creole, Leslie Samedi, qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Même j'entends, nous avons salué Leslie Moïse, nous connaissons le capitaine de nous dans ce moment. Donc merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous remercions
et Sibas et bons amis nous sans oublier Jean-Marc Hervé Abela, Fred Kaimit et puis gentil Augustin Junior. Et puis moi c'est Jacques Lebelizer, donc restez branchés pour toute information qui gagne concernant pays d'Haïti. Bonsoir et à demain.